site winner is Bell, is scheduled for 3 rounds of 5 minutes. L'arbitre, the referee, Marc-André Côté. Tout d'abord dans le coin bleu, portant la couleur orange et pesant 167,2 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing orange trunks and weighing in at 167.2 pounds. Il a une fiche professionnelle d'aucune victoire en deux combats. His professional record shows no wins in 2 bouts. The Brampton of Ontario from Brampton, Ontario. This is Ken Ghost McLeod. Son adversaire dans le coin rouge, portant la culotte noire et pesant 169,1 livres. Across the cage, fighting out of the red corner, wearing black trunks and weighing in at 169.4 pounds. Il participe ce soir à son premier combat professionnel. He is making his professional mixed martial arts debut tonight. De Saguenay, from Saguenay, Quebec, this is Alexandre Gauthier. Donc, combat chez les poids mi-moyens, 170 livres entre Ken McLeod, qui a les culottes rouges et noires, et Alexandre Gauthier, qui lui a les culottes noires. Alors, Thierry, parle-nous un peu là, de Spartan Fight Club. Est-ce que c'est un club que tu connais? Il y a un entraîneur, Claude Perron, que tu connais bien. Oui, Claude Perron, c'est un entraîneur qui a beaucoup d'athlètes pour lui. Il combat autant sur la scène amateur que la scène professionnelle. Et ici, on va voir à quel point Alex Gauthier. Il est préparé avec son équipe. Oh, ici, on voit l'explosion. Oui, voilà, Gauthier qui attendait bon, bon moment. Bon coup de jeu qui a fait très ça, mal. Oh, ça sent bien vraiment très mal à McLeod. Et bon coup de pied. Ça sent la fin, là. McLeod qui ne se défend pas. Qu'est-ce que tu vois? C'est terminé. Alexandre Gauthier, victoire. En quoi? 44 secondes à son premier combat professionnel, Thierry. Wow, vraiment la victoire explosive. Oh oui, on voit Alexandre Gauthier a fait honneur au surnom de Ken McLeod, un vrai fantôme. Le coup de genou vraiment Thierry qui a porté, là, c'était clair, même que McLeod s'est touché. C'est rare qu'on voit ça quand même, un combattant qui reçoit un coup et qui regarde s'il sert ou en fait s'il sert à mal. Et justement, je crois qu'on va le voir à la reprise, mon cher Thierry. Ce fameux coup de genou là, voilà, là on le voit justement qu'il est tenté de se vider les pieds, là, s'il saignait et ne se défendait déjà presque plus. Et là, ben, Gauthier a vu l'ouverture et il était très agressif. Oui, on a vu. Il a commencé le combat en contre-attaque. Et voilà, il s'est tout de suite après le coup de genou. Et comme un requin, il veut goûter le sang, puis il veut finir le combat. Puis... Ben, on voyait McLeod au début donner quelques coups de pied, tenter de garder Gauthier à distance. Gauthier qui avait un petit avantage au niveau de la portée, rien de trop grave. Et là, ben, quand Gauthier a vu l'ouverture, tout de suite, il s'est rué vers son adversaire et a réussi à le toucher solidement. Et ben voilà, ça en était fait de McLeod. Un peu déçu quand même de McLeod, un combattant comme ça qui arrive et qui a un coup comme ça, là, c'était terminé déjà. Mais on le savait en fait, hein, là on voit les... On se doutait que pour Ken McLeod, ça pouvait justement être peut-être un bon combat de préparation professionnel pour Alexandre Gauthier. Mais à ce moment-là, c'est surtout aussi le coup de genou, il a été très bien porté. Alors c'est difficile de pouvoir juger si Ken McLeod... a mal fait. On laisse la parole à Anthony Horn pour la décision officielle. D'accord, on a un petit délai là, pour la décision. Vous voyez les soigneurs. Le gagnant par KO. Après 43 secondes dans ce combat, the winner by knockout. After 43 seconds in this bout, Alexandre Gauthier.